Alors, les prêtres, on n'est pas assez simplifié. Les 25 premières secondes, l'introduction de la musique, sont sans chorégraphie. Ça se passe sur scène, c'est le moment où Mathieu et Groda sortent de scène et que Rajouchou se retrouve tout seul pour démarrer la chorégraphie. Pour l'arrivée des prêtres, ce qui est important, c'est que Grosdave trouve le temps d'enfiler sa toge et sa ceinture, voire peut-être sa perruque. Je ne sais pas quel est son costume précédent sur la famille Cercueil, mais j'espère que ce sera possible, même si c'est un peu rapido. En tout cas, Binge sera donc en coulisses pour bien guetter le moment d'entrer sur scène, sachant que les prêtres arrivent un peu après les nageuses et un peu avant les animatrices. Donc ils vont se trouver côté jardin, ils seront en fond de scène et vont rentrer sur scène au moment où les nageuses passent du côté jardin au côté cour. Donc c'est assez rapide, hein, c'est au bout de 16 temps après le début de la chorégraphie. Donc 2 fois 8 ans, on a eu Rachou tout seul, 1, 2, 3, 4, Rachou avec Jenny, 5, 6, 7, 8. À nouveau avec la deuxième Jenny, elles étaient 3, 1, 2, 3, 4. Et toutes les trois ensemble, elles bougent de l'autre côté de la scène, côté court, 5, 6, 7, 8. Donc c'est à partir du moment où elles ont fait cette migration que les prêtres entrent en scène. Donc ils arrivent du fond de scène côté jardin et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et alors ce mouvement-là, ils vont le répéter juste 3 fois. Reprenons, je vais le faire 3 fois avec vous. Donc, les filles sont sur scène, la chorégraphie commence. Rachou, 1, 2, 3, 4. Rachou et Jenny, 5, 6, 7, 8. Rachou et les deux Jenny, 1, 2, 3, 4. Les trois filles bougent de l'autre côté de la scène, 5, 6, 7, 8. À ce moment-là, les prêtres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le but, c'est qu'ils soient relativement situés en fond de scène. Pas trop non plus, parce qu'on va avoir un cercle des robots qui passent derrière eux, donc il ne faut pas non plus qu'ils soient collés au rideau, mais relativement au fond pour qu'on exploite plusieurs espaces. On a eu les filles en devant de scène, on a maintenant les filles de l'autre côté, mais toujours devant, et les prêtres, ils sont plutôt derrière. Vous avez le temps de faire ce mouvement-là 3 fois avant que le around the world, que ça arrive. Avant la première apparition de la voix dans la chanson. Une fois qu'on entend la voix around the world, les robots entrent en scène. Vous arrêtez de faire le pas que vous êtes en train de faire et vous allez tout simplement sur place faire un petit geste. 1, 2, 3, 4. Droite, gauche, droite, gauche. Comme des robots. 1, 2, 3, 4. Droite, gauche, droite, gauche. Ce pas-là, vous allez continuer robotiquement assez longtemps parce qu'on est dans une logique de répétition et qu'autour, il se passe plein d'autres choses. Vous êtes en coulisses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est à 1 minute 50 qu'il y a une espèce de grosse aspiration, un son, qui nous signale que là, il y a un changement de pas. C'est le moment où vous changez de pas et c'est le moment où on attaque un pas un peu plus compliqué qui s'appelle le pas pharaon. Petite remarque sur les signaux, comme vous êtes en train de faire le robot comme ça sur place pendant toute une partie de la chanson,
Il faut savoir que vous entendrez une fois le signal, la grosse aspiration, mais c'est pas pour vous. C'est les animatrices qui vont s'en servir. En tout cas, vous, sur la première aspiration, vous ne bougez pas. C'est seulement à la deuxième que vous commencez à faire le pharaon. À la troisième, vous arrêtez de faire le pharaon. Le pas pharaon, il demande à ce qu'on coordonne nos pieds, nos mains et notre tête. C'est pas grave s'il y a des petits loupés, ce qu'il faut surtout, c'est que vous restiez bien côte à côte tous les deux et en rythme avec la musique. Donc vous allez faire ce pas pharaon pendant un moment. Vous verrez, tout le monde le fait. Donc ce pas pharaon, il doit se terminer à nouveau avec une grosse aspiration qu'on va entendre dans la musique à 2 minutes 22 secondes. Je vous invite à nouveau à bien écouter. Et à ce moment-là, vous pouvez recommencer votre petit pas. Alors là, du coup, vous avez le signal de votre dernier pas qui est de rejoindre la ronde. Donc la ronde, vous la rejoignez sur votre droite hein, pour rejoindre le sens de la ronde. Il est évident que s'il y a plein de passages à ce moment-là, au moment où vous entendez le signal, il est préférable d'attendre un petit peu en continuant ce pas-là. Et dès que possible, le premier, celui qui est le plus sur le côté, part. Et l'autre lui embraye le pas. Et vous pouvez continuer à marcher comme ça. En parallèle, la lumière va quand même baisser sur scène. On va sans doute avoir à l'image le petit générique de Binge et Jenny. Donc là, on imagine que vous êtes en coulisses, vous attendez votre tour et vous savez que les filles dansent 2 fois 8 ans avant que vous commenciez. Donc première aspiration, elle ne vous regarde pas. Et cela ne vous regarde pas.
bonne chance, on va prendre.